Thank you, Jesus. We bless your name. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Thank you, Father. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que sa faveur soit avec toi dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. C'est vrai que c'est un direct que je suis en train de faire de façon surprise, parce que ce n'est pas l'heure de mes directs. Mais si on lance un direct à ce moment-ci, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à partager avec le peuple de Dieu. Nous ne parlons pas en vain, nous parlons parce que le Saint-Esprit a mis des paroles dans nos cœurs pour son peuple. Donc, s'il vous plaît, rends-moi juste un service ce matin. Partage la vidéo, envoie des cœurs de likes. C'est la loi, en fait, c'est le principe avec Facebook. Donc, envoyons des j'aime, des cœurs, et partageons pour permettre à d'autres personnes aussi d'être informées. Saint-Esprit, merci, Seigneur, parce que tu es bon. Oh, le Seigneur me dit de parler à quelqu'un. Le Seigneur me dit de te parler. Cette destinée, tu ne la perdras pas. Ta destinée ne sera point perdue. Le Seigneur a dit, ne lance pas des regards inquiets. Ne lance pas des regards inquiets. Zametawa inogeras, anaulo ifilas, manrebista udaliguras, in asparo kina filazo. Seigneur, merci. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui est perdu, à une personne qui est en train de traverser des moments compliqués dans sa vie, à quelqu'un qui est perdu dans le désert des épreuves, désert des souffrances, désert des problèmes, des douleurs de la vie. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Ne lance pas des regards inquiets. Le Seigneur te sortira de ce désert. Ce qui a été dit à ton sujet sera accompli. Vous savez, mes amis, quand l'Esprit de Dieu veut faire les choses, il fait comme il veut. Certainement, cette parole s'adresse à quelqu'un, parce que ce n'est pas pour ça que je fais ce direct. Mais Dieu me dit de parler et je veux parler. Il peut y avoir des moments d'égarement dans ta vie, des moments d'oisiveté, des moments de confusion profonde où tu ne sais pas où aller. Et il y a quelqu'un qui est en train de traverser des moments comme ceux-là. Tu es dans un vaste désert. Tu ne vois rien. Tu te retournes à gauche, à droite, devant, derrière. C'est une vaste étendue. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de chemin. Tu n'as pas de boussole et tu ne sais pas où aller. Ainsi par l'Éternel, je serai ta boussole et je manifesterai ma fidélité envers toi. Les choses que j'ai dites de ma bouche, ma droite les exécutera, dit l'Éternel. Dieu me dit de parler à quelqu'un. Je ne sais pas, je ressens dans mon cœur ce fardeau de dire ces paroles, c'est plus fort que moi. Barut enazawa, anna udaleza, bura inna eloka, wa inos melade, inorabias men eva, de la sema wa anna kerza. Ainsi parle l'Éternel. À toi qui dis, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a délaissé, l'Éternel m'a oublié. Ainsi parle l'Éternel, je suis ton Père et je ne peux pas t'oublier car c'est moi qui t'ai engendré, dit le Seigneur l'Éternel. C'est moi qui t'ai engendré, je reviendrai, dit l'Éternel des armées, je reviendrai et je scindrai terrain de force, je scindrai terrain de force, j'armerai tes mains. Des armes que moi-même, j'aurais fabriquées de mes propres mains. Et devant tes ennemis, tu ne seras plus jamais désarmé, dit l'Éternel ton Dieu. Baruka wa anas et maros, una de lazema enokenoi, wa iodias maudalias maugauva, muka udala udau wa inna usumugi afuga, mauki anata mata burak wa mudei, una ezoloka abuta udali borne eva. L'Éternel dit, je rebâtirai ta maison détruite. Je rebâtirai sur les ruines de ta vie ce que j'ai promis. Ah, Dalesa, wa inasemada. Et je vois l'ange de l'Éternel, l'ange du Très-Haut. Je vois l'ange du Très-Haut. L'ange de mon ministère, l'ange de la prophétie me dit de parler. Et je parle sur ta vie.
par l'Éternel, parce qu'il est écrit, le lion rugit, qui ne tremblerait? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Je puis assurer quelqu'un ce matin, des choses que je vois et que j'entends, tu ne vas pas mourir dans ce désert. Tu ne vas pas mourir abandonné. Tu ne vas pas mourir comme un méchant. Même Balaam a dit que je meurs de la mort du juste. Que je meurs de la mort des justes. Ta mort sera la mort des justes et non pas la mort des impies. L'Éternel me l'a dit. Je l'ai entendu de mon oreille gauche. Je l'ai vu de mes yeux. Et la chose arrivera. Tu traverses un moment difficile. Tu te demandes si Dieu est encore avec toi. Est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que ce que j'ai entendu, c'était Dieu? Si c'était Dieu, où sont ces choses? L'Éternel a dit qu'il reviendra. Écris ça dans ton agenda. Écris ça dans ton calepin. L'Éternel a dit, je reviendrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je puis vous assurer. Je parle ma main sur ma tête devant le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon enfance. Le Dieu qui m'a gardé. Dès les entrailles de ma mère jusqu'aujourd'hui, l'Éternel reviendra. L'Éternel reviendra. Il reviendra. Cette destinée, tu l'accompliras. Ces choses glorieuses, dans sa présence, tu les vivras. Personne ne nous empêchera de vivre ces choses malgré les combats, malgré le désert, malgré les oppositions, malgré les guerres, malgré l'adversité, malgré l'inimitié, malgré la pauvreté, malgré le célibat, malgré la maladie, tu ne mourras pas. Cette situation n'est point à la mort. Elle n'est pas à la mort. Il n'est pas possible que tu meurs. Il n'est pas possible que tu meurs. Mes amis, c'est ce que j'ai dit, je porte une prophétie dans ma vie. Je porte des promesses de Dieu lourdes sur ma vie. J'ai failli mourir plusieurs fois. Mais je crois au fond de mon cœur qu'à cause de la fidélité de Dieu, des promesses que je porte sur ma vie, la parole de l'Éternel m'a préservé de la mort. Je suis arrivé jusqu'à voir le seuil du séjour des morts. Mais me voici, je suis vivant. Les gens avaient dit que je suis mort. Les gens, ils savaient que j'étais mort. On avait annoncé que je suis mort. Plusieurs fois, on a annoncé. Mais les choses pour lesquelles le Seigneur m'avait faites, je ne les avais pas encore accomplies. Et je ne pouvais pas mourir. J'étais malade en 2002. Je suis passé de 70 kilos à 47 kilos, 47 ou 43 kilos. Ouais. J'étais tout virevoltant quand je marchais léger, comme une feuille morte. Tout le monde savait que Ekane Ferdinand est mort. Tout le monde le savait. J'ai crié vers le Père des esprits de prophètes. Il disait, Seigneur, souviens-toi de ta promesse pour ton serviteur. Tu m'as dit que j'accomplirais de grandes choses. Tu m'as dit que j'irai dans les nations pour accomplir et annoncer l'évangile. Seigneur, je ne suis même jamais sorti de ma nation. Je n'ai jamais vu un avion à côté de moi. Comment est-ce que je peux mourir lorsque ta promesse est sous mes yeux, devant moi? Mes amis, une nuit pendant que j'étais couché, l'ange de la mort est arrivé. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne dormais pas. Mais où est Ferdinand là? Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ça. Et j'étais couché, la porte de ma chambre était entrouverte. Il y avait juste le rideau. Je parle devant Dieu qui m'a appelé. Il y avait le rideau, juste le rideau. J'étais couché comme mort. Barokinada. Alohiwa innas maleka filos merodia, unta meza banoteta balakerda inasara. Père, je garde le silence devant toi et je garderai le silence devant mon Dieu. Je garderai le silence et je te fais confiance. Quelqu'un doit faire cette prière avec moi ce matin. Mes amis, j'ai vu quelqu'un traverser le rideau en demandant, mais où est Ferdinand là? Quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. La fidélité de Dieu est réelle. Dieu existe, mes amis. Dieu est vrai. La personne demande, mais où est Ferdinand là? Et moi, si je réponds, me voici. Mais la personne que je vois, elle a traversé, elle a demandé dans la chambre de ma mère, mais où est Ferdinand là? Et j'ai dit, me voici. La personne revient, c'était l'ange de la mort. Et quand il arrive, il pousse le rideau, il me regarde et je le vois clair, noir, tout vêtu de noir. Et il me dit, suis-moi. Suis-moi. Les larmes commencent a coulé de mes yeux. Je n'oublierai jamais ce jour. Et je fais une prière à Dieu. Et dis, oh Dieu,
J'ai à peine 24 ans. J'ai à peine 24 ans. Donc c'était tout, ça disait tout. Cette petite phrase disait tout. J'ai à peine 24 ans. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et j'ai entendu la voix de Dieu tonner. Laisse-le vivre. Laisse-le vivre. Et l'ange de la mort est reparti. Les portes étaient fermées, sauf la porte de ma chambre. Il est ressorti, je ne sais pas comment il a fait pour entrer. Et ce jour, je dis que je suis né de nouveau. C'est-à-dire que si je comprends, moi je peux expliquer. Quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand le Ferdinand est mort en 2022, en 2002, et la maladie avait commencé comment? Un empoisonnement. Une dame qui me sert des arachides. Je mange les arachides, elle t'avait sa fille, et elle se lève, elle commence à crier. Elle dit, j'ai tiré vengeance de mon ennemi aujourd'hui, c'est toi qui as tué ma fille. Elle avait une deuxième fille qui était morte. Et elle dit que c'est moi qui ai empoisonné sa fille. Elle m'a dit, comme tu as mangé les arachides, tu vas mourir. Mes amis, c'était dans une vision. Et les rêves ne sont pas que des rêves. Les rêves ne sont pas que des rêves. Je répète, les rêves ne sont pas que des rêves. Tu rêves qu'on te poursuit, qu'on te sacrifie. Mon ami, prends des jours de jeûne, prends ça très au sérieux. La dame a dit ça. Elle a dit dans la vision, elle dit, tu as tué ma fille, et moi aussi j'ai tué les arachides, sont empoisonnés, tu vas mourir. Et dans la vision, je suis tombé à genoux. À genoux. Et j'ai levé les mains vers Dieu. J'ai levé mes mains devant la dame et sa fille. Et j'ai dit, aussi longtemps, aussi vrai, que je suis serviteur du Dieu vivant, et qu'il n'y a point de mensonge dans mon cœur, et que je suis sincère dans mon service rendu à Dieu et au Saint. Si un jour j'ai menti au nom de Dieu, et si un jour dans mon cœur il s'est trouvé le faux, c'est-à-dire que j'ai dit aux gens des choses qui ne sont pas, j'invente les gens pour tromper les gens et attirer la faveur des gens sur moi. Et si un jour j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai empoisonné ta fille, comme tu as dit, je mourrai. Mais si je suis innocent devant l'Éternel qui justifie les innocents et qui condamne les coupables, je veux mourir. Si c'est moi qui ai fait ça, je veux mourir. Mais si je suis innocent, rien ne m'arrivera. Mes amis, c'est après ces choses que je suis tombé malade. Malade à la mort. J'ai commencé à maigrir. Maigrir, je suis devenu un squelette. Quoi? Infection pulmonaire. Infection pulmonaire. Je mourais. J'avais 70 kilos. Je me suis retrouvé à combien de kilos? Hein? 47, 43. J'ai perdu 23 kilos. Donc 47 kilos. Mes amis, on lisait les os sur moi. Mon aspect usurilocal et jugal. Mais c'était squelettique et morbide. J'avais un aspect fantomique et fantasmagorique. J'étais mort en fait. Et j'étais devenu brun, comme un métis. C'était la mort. J'étais foutu, j'étais fini mes amis. Oh, j'étais innocent et l'innocence m'a sauvé. Il faut être innocent. Je vous dis toujours que l'innocence est un bouclier. Il n'y a rien qui puisse vous justifier dans votre vie plus que l'innocence. Plus que l'innocence. Voilà comment l'Éternel me rend justice. Et il me sort de ce décret de mort. Les gens avaient répandu partout que je suis mort. Aujourd'hui, je suis rajeuni par le Seigneur. Depuis 2022. Ça fait combien? 2002. Ça fait 10 ans? Non, 20 ans. 20 ans après, les paroles que l'Éternel m'avait dites sont en train d'être accomplies. Je veux prier pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret de mort contre toi, tout décret de l'enfer contre ta vie, au nom de Jésus, ce décret, ça n'arrivera pas. C'est annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Barute iwa inna semata. Donasma enokinaros epinateka wa anazolei wa dias manterazo barukia un eva demata doloseta. Même si tu es en train de mourir, tu es dans un lit à l'hôpital, au nom de Jésus, envoie le direct à quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui est en train de souffrir d'un cancer, je ne sais pas de quelle situation tu es en train de souffrir. Je vous en prie, envoie ce direct, envoie cette prière.
tu ne mourras point, tu ne mourras pas. Par l'alliance de Dieu dans ma vie, l'alliance que je porte sur ma tête, je proclame la vie à la place de la mort, la vie à la place de la mort, la longévité à la place de la mort précoce. Tu ne mourras pas. Cette situation n'est point à la mort. Recevez la vie. Quelle que soit ta nation, quel que soit ton pays, reçois la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Vivez au nom de Jésus de Nazareth. Vivez. Il faut vivre. Tu dois vivre dans le nom de Jésus. Tu dois vivre. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée à tous les enfants de la diaspora. Toi qui es en Europe, ou aux États-Unis, au Canada, n'importe où là-bas. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, écoute la parole de l'Éternel. Toi qui n'arrives pas à te fixer, qui n'as pas de papier, tu n'as pas de papier, tu n'as même pas où vivre, où tu avais des possessions avant, et aujourd'hui, tu as été dépossédé de tes possessions. L'Éternel m'envoie vers vous comme un messager du Dieu vivant. Vendredi 13 septembre de 21h à l'aube, dans la Lune d'Or, la salle appelée la Lune d'Or, 20 avenue des Courtes et plus 9100 Villabé. Dieu te restituera. Les choses qu'on t'a volées, les malédictions ancestrales et familiales seront détruites tout simplement. Elles seront renversées. Dimanche, le 15 septembre, à partir de 10h, nous serons dans la même salle, la Lune d'Or. Dieu se glorifiera. Et tous mes partenaires, le même dimanche, après le culte, nous on va rester. Et tes finances seront restaurées. Je verrai le sorcier qui va continuer à mildiuser, à gangréner ta destinée financière. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en Europe. Beaucoup ne sont pas stables. Et j'ai l'habitude de dire que parfois, plusieurs d'entre nous, nous quittons nos pays pour aller nous chercher. Tu quittes avec de bonnes intentions. Et tu arrives là-bas, ta vie est détruite. Parfois, tu trouves un mariage. Ce n'est pas le mariage que tu vas. D'autres vont par leur capacité intellectuelle, par leur prestation, leur prestance. Ils s'en vont. Parce qu'ils ont le niveau. Et quand ils arrivent là-bas, les choses commencent à se compliquer. Ainsi parle l'Éternel. Ta délivrance sera accomplie. Je veux dire à tous ceux qui sont à l'étranger, tous ceux de la diaspora, bien-aimés, attendez-moi, j'arrive. Prépare-toi à ce programme. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Dieu va te surprendre. Quel que soit le problème, nous avons vu de nos yeux la fidélité de Dieu. Le Seigneur me dit que les anges sont en train de partir maintenant dans les nations pour délivrer son peuple. Tous ceux qui crient à Dieu, le Seigneur a entendu tes cris. Et le thème, c'est le thème, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Le Seigneur me dit de te parler. Il a entendu tes cris. Tes cris ne sont pas allés dans le désert. Peut-être ça fait 5 ans que tu cries, 10 ans que tu cries, 20 ans que tu cries. Mais le voyage aussi, c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. Dieu m'envoie en Europe pour sortir les gens de la maison de la servitude, des malédictions parentales, des malédictions ancestrales, des malédictions familiales. Tout ce qui t'empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, c'est brisé. Et Dieu te sort des chaînes de Satan, de la captivité. Dieu te sort de la captivité. Quel que soit l'esprit d'esclavage dans ta vie, mon ami, prie que j'arrive en Europe. Prie, parce que je viens avec ton salut. Les prophètes sont des messagers de l'Éternel. Je veux ton salut. La parole dans ma bouche est redoutable pour apporter la délivrance, la guérison, la restauration dans ta vie. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui souffre, tu seras sauvé, tu seras visité. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Tu ne mourras pas dans cette situation. Et je veux que les gens comprennent une chose. Je veux prendre le temps avec tous les partenaires. On va prendre le temps. Parce qu'il faut que Dieu te bénisse. L'église doit être financièrement bénie. J'ai demandé à mes équipes de me donner 2 jours avec mes partenaires. Je dois recevoir au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes. 100 personnes. 2 journées de réception avec les partenaires un à un après la conférence des partenaires. Non, on va s'efforcer, mes amis. Le Seigneur m'envoie en Europe. Il m'a dit, regarde la souffrance de mon peuple en Europe. Regarde dans les nations et proclame la parole de l'Éternel. Et je vais venir avec la parole de Dieu. Et la parole de l'Éternel sera puissante dans ma bouche.
Je viens avec le ainsi parle l'Éternel. Peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, mon Dieu est plus grand qu'elles. Peu importe la mer rouge qui est devant toi, elle sera divisée. Parce que le Dieu dont je suis le serviteur est plus fort que cette mer rouge qui t'a barré la voie depuis des années. Peu importe les imprécations, peu importe les paroles de malédiction contre ta vie, mon Dieu les métamorphosera en bénédiction. Oui, je proclamerai la bénédiction à la place de la malédiction et tu verras la vengeance de l'Éternel. Il y a des choses qu'il faut que les gens comprennent. Il y a des choses, tu as juste besoin d'une parole de prophétie dans ta vie. Une parole de prophétie. Et je suis là pour te donner cette parole de prophétie. Tu ne vas pas mourir. L'année-ci ne finira pas sans que tu n'aies vu la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, quel que soit le pays où tu me suis, je t'en supplie. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Quand je me mets à genoux, tu peux te mettre à genoux si tu as la possibilité de te mettre à genoux. Je me mets à genoux devant l'Éternel. Seigneur, toi qui m'as appelé, tu peux te mettre à genoux, fais-le, quel que soit ton pays. Fais-le, il n'y a pas de problème. Zaria wa inna gorazi, bestometata wa anagerno, enalei filos menata, barakia, Éternel des armées, toi qui m'as appelé, toi qui es mon bouclier, toi qui es mon berger, toi devant qui ma vie a été précieuse depuis le sein de ma mère jusqu'à cet âge, ô Éternel, toi qui me sauves, sauve ton peuple. Sauve-nous de nos ennemis. Seigneur, sauve-nous de nos ennemis. Sauve-nous de l'oppression de nos ennemis. Délivre-nous de nos ennemis. Père éternel, je prie pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je prie pour tous ceux qui me suivent en direct, pour ceux qui me suivront en différé. Oh Dieu, secours ton peuple. Quiconque a besoin de toi, quelle que soit sa situation, quel que soit son problème, Seigneur, exauce ses prières, exauce ses cris. Je t'en prie, mon Dieu, exauce sa prière, exauce ses cris. Je t'en supplie, exauce sa prière, exauce ses cris. Oh mon Dieu, exauce sa prière, exauce ses cris. Ne laisse pas nos ennemis se réjouir à notre sujet éternel. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils pour te repentir. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Sauve-nous. Délivre-nous. Sauve-nous, Jésus. Que ton sang parle. Que la croix parle. Que ton sang parle. Que la croix parle. Que la couronne d'épines parle. Éternel, que la couronne d'épines parle. Zaro, Kerazia. Wainalei. Que les sorciers soient jugés. Que l'oppresseur de ton peuple, pendant que je mets mes genoux devant toi, que l'oppresseur de ton peuple soit opprimé. Que ceux qui nous oppressent soient oppressés. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'oppresseur de ton peuple soit opprimé ce matin. Comme mes genoux sont par terre, que les méchants soient exposés. 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 Délivre-nous, Seigneur. Redonne-nous la joie de te servir. Redonne-nous la joie de vivre. Redonne-nous la joie de la vie. Sors-nous de nos frustrations, de nos limitations. Seigneur, délivre-nous des pièges de nos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-nous des pièges. Sors ton peuple, quiconque est environné par la mort. Seigneur, délivre ton peuple. Sors cette personne, Seigneur, de cette fosse. Quiconque, le nom a été prononcé dans le monde des ténèbres pour détruire sa vie par la maladie, par la pauvreté, pour troubler les foyers avec le divorce, les troubles. Oh Dieu, lève-toi, que les ennemis de ton peuple se dispersent. Rends-nous justice de notre partie adverse. Père, je prie pour ceux qui sont malades, quelle que soit leur maladie. Que ce soit des maladies curables ou incurables, des maladies mystiques ou normales ou naturelles, éternelles, éternelles, guéris ton peuple, guéris ton peuple. Tout ce qu'on a programmé pour des opérations, éternelles, je t'en supplie, envoie des anges.
les guérir avant l'opération. Quelle opération n'ait plus lieu. Quelle opération soit annulée. Quelle opération soit annulée. Sauve-nous, Éternel. Sauve-nous, mon Père. Sauve-nous. Ne reste pas muet à nos souffrances. Ne reste pas muet, Seigneur, à nos cris. Ne reste pas muet à nos cris. Délivre ton peuple. Sauve-nous, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Au nom précieux de Jésus, amen. Amen. Où que tu sois, tu as fait cette prière avec moi. Le Seigneur t'exauce. La vengeance de l'Éternel est ton partage. L'Éternel est ta délivrance. Son salut est pour toi un bouclier. Le Seigneur manifeste sa grâce sur ta vie immédiatement. Que ce soit toi, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, qui que ce soit, reçois la délivrance. Quel que soit ton pays, ta nation, reçois la délivrance dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Ta famille sera délivrée. Toi-même, tu es secouru. La gloire de Dieu se révèle. L'Éternel va te montrer le visage de celui qui était coupable de la méchanceté dans ta vie. Le Seigneur te montrera le visage de cette personne. Le Seigneur manifestera sa gloire sur ta vie. La puissance de Dieu est sur toi maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est en train d'apporter la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes dans le monde entier. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Que tu me suives au bureau, que tu sois au champ, que tu sois au marché, que tu sois à la maison, que tu sois en train de voyager, les anges vont te trouver au ciel, tu vas sentir une puissance descendre sur toi immédiatement. Et je vais dire à tous les bien-aimés de la diaspora, quel que soit ton pays, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ne manque pas, vendredi le 13 septembre, à partir de 21h jusqu'à l'aube, à la lune d'or, 20 avenue de Courtes et Plus, 9100 Villabé. 20 avenue de Courtes et Plus, 9100 Villabé. Dieu se glorifiera. Et dimanche le 15 septembre, à partir de 10h dans la même salle, c'est le culte des familles à l'Éternel. Dieu vengera ta famille, il vengera ta cause. Vous avez vu, lorsque Dieu devient l'ami et le complice de quelqu'un, tu as déjà vu ça mon ami, prépare-toi, je vous assure. L'Europe connaîtra la grâce de Dieu telle que vous n'en avez jamais vu. Je parle comme un oracle de Dieu dans ma génération. Vous savez mes amis, je pense que c'est dimanche que le Saint-Esprit m'a fait parler de la part du Père des Esprits de prophètes sur une conspiration puissante contre le président Ibé, contre le président du Burkina Faso. Je pense qu'il y a des gens qui se souviennent de cette histoire ici. C'est dimanche passé que l'Esprit de Jésus-Christ m'a fait prophétiser en son nom. Et avant-hier, le président du Burkina Faso, le 4 août, le président du Burkina Faso a fait une déclaration de tentative d'assassinat contre lui, commandité par des Occidentaux. Allez revoir ça sur Facebook. Commandité par des Occidentaux qui ont manipulé des gens à l'intérieur et il a annoncé qu'ils ont arrêté 10 personnes. Et la prophétie disait qu'on va arrêter les conspirateurs et que dedans, on va vous dire qu'il y a les blancs dedans, il y a les blancs. Et il a dit qu'ils sont courants. Ça dit que ça n'a pas fait 3 jours, 2 jours. La prophétie, le président burkinabé lui-même a parlé de cela. Maintenant, la question qu'il faut demander, et j'ai fait comme au Cameroun pour savoir, pour voir ces choses-là, et pour donner des détails que lui-même va venir confirmer en direct. Mes amis, c'est pour vous dire quoi? La parole de l'Éternel est éprouvée dans ma bouche. La parole de l'Éternel est éprouvée dans ma bouche. Donc, quand je déclare que tu es béni, tu es béni. Et quand je vous annonce que je viens en Europe pour ta bénédiction, pour te sortir de ta prison, ce n'est pas le jeu, c'est une réalité, mes amis. C'est une réalité, je vous assure, c'est une réalité. Attache ta ceinture. Si vous n'avez jamais assisté à l'un de mes programmes en Europe, je pense que c'est la plus belle occasion que Dieu te donne, le plus beau cadeau que Dieu te donnera pour ce mois de septembre, c'est d'être présent à la lune d'or. Sois à la lune d'or, sois là à la lune d'or. Mets ça dans ton agenda. À la lune d'or, prends ton billet d'avion, je serai là. Le 1er septembre, déjà,
je prends l'avion, par la grâce de Dieu, le 2 septembre, je suis à Paris. À partir du 2 septembre, je fais mes directs à partir de Paris. Donc, on va te délivrer, on va t'aider. Tu vas réussir. Que tu le veuilles ou pas, tu vas réussir. Il faut que les gens comprennent. Non, mes amis, tu vas réussir. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé, ou bien sauf si tu doutes de mon ministère. Mais tu vas réussir. On n'est pas des aventuriers, mes amis. Tu vas réussir. Tu es obligé de réussir. Tu ne seras pas une honte pour ta famille. Ça, je refuse ça. Aussi vrai que je suis serviteur du Dieu vivant. Tu ne peux pas être une honte pour ta famille. Ce n'est pas possible. Tu vas réussir. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te bénir. Sa grâce est ton partage. Donc ne t'inquiète pas. J'arrive. Tu dois prier que j'arrive vite en Europe. À ta place, je serai en train de prier. Prier, crier à Dieu. Que Seigneur, amène-le vite ici. Amène-le vite en Europe. Protège-le. Garde-le. Seigneur, nous voulons le voir. J'ai besoin de lui dans ma vie. J'ai besoin de lui. J'ai besoin que tu utilises cet homme pour ma délivrance. J'ai besoin que ta main soit sur lui pour nous apporter la délivrance et la restauration. Mon ami, tu fais cette prière, Dieu va t'exaucer. Le Seigneur va t'exaucer, je t'assure. Dieu va t'exaucer. Donc, bien-aimé, je voudrais te dire tout simplement, reste dans la prière. Reste dans la prière. Dis, Seigneur, amène ton serviteur. Je veux voir ton serviteur. Je veux que ton serviteur vienne. Comme il vient, je sais que je suis délivré. Comme il vient, je sais que j'ai la solution à mes problèmes. Et il en sera ainsi. Et Dieu manifestera sa puissance. Ta saison est arrivée, mon ami. Ta saison est arrivée. Ceux qui se sont moqués de toi, ils vont le regretter. C'est-à-dire que vous êtes en Europe, vous manquez le programme si je vous assure que vous avez raté. Comme on dit au Cameroun, vous avez manqué quelque chose d'extraordinaire. Tu dois être présent. Tu dois être présent. Je ne me déplace jamais pour rien. Jamais. Je me déplace jamais pour rien. Je me déplace parce que l'Éternel m'a dit va. Et quand je vais, je n'ai pas pitié des démons dans ta vie. Vous connaissez les choses merveilleuses que l'Esprit de Jésus-Christ accomplit en Europe. C'est extraordinaire. Toutes ces choses grandes, ces choses puissantes, ces choses merveilleuses, des guérisons, des restaurations, des délivrances, je vous assure. Je pense que de toute ma vie, dans toutes les nations où je suis allé, je n'ai pas vu Dieu agir avec autant de puissance qu'en Europe, en France précisément. Sincèrement, des choses extraordinaires se passent là-bas. Et c'est la même chose. Écoutez, il y a des choses, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a une flèche sur toi. Maintenant, la flèche là va retourner à l'expéditeur. Si vous avez une douleur quelque part, vous avez mal quelque part, mettez votre main et voyez comment Dieu va intervenir maintenant. Parou dirata wa annazori, ospramita wa ankeda, dalita ou dali moradata, wa innas mai dali korna, wa asraza wa ansri, innau tolberader, innasravo barukin, adelata wa annatoloza. Toute flèche mystique dans ton corps, mets la main. La douleur va partir. Je vais arracher la flèche, je vais la renvoyer à l'expéditeur maintenant. Toute flèche mystique dans ton corps, je l'arrache et je la renvoie à l'expéditeur dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, que tes anges glorifient Jésus-Christ. Que cette flèche soit déracinée maintenant au nom de Jésus et qu'elle retourne à l'expéditeur. Cette maladie dans ton corps, je l'enlève, je la renvoie à l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la santé, reçois la longévité. Je sème sur ta vie une semence de longévité au nom de Jésus. Et je vais dire à Paris, Paris, I'm coming. Paris, I'm coming. Je viens avec les myriades de l'Éternel des armées, mon Seigneur. Nous serons à Paris et Dieu se glorifiera à Paris. Retrouvons-nous à Paris. Tous ceux qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, retrouvons-nous à Paris. Vendredi 13 septembre, 21h jusqu'à l'aube, ça sera une nuit chargée. Les guérisons extraordinaires et instantanées, les délivrances des esprits des eaux, des esprits de nuit, des esprits de mort, des brisements des malédictions ancestrales, familiales. Dieu se glorifiera, mon ami. Toute maladie dans ta vie,
les blocages, ceux qui n'arrivent pas à être fixés, le Seigneur se manifestera puissamment. Donc vendredi, le 13 septembre, et à partir de 21h jusqu'à l'aube, mets la date dans ton agenda. Tu ne regretteras pas d'avoir acheté ton billet d'avion. N'hésite même pas un seul instant. Si tu entends ma voix, ce n'est pas le fruit des hasards. Tu pourrais être en train d'écouter autre chose à l'heure-ci. Mais c'est Jésus qui te parle à travers le vermisseau, les moindres d'entre les 10 milliers que je représente. Dieu te parle. Bien-aimé, ta saison est venue et ne reste pas indolent. Ne sois point nonchalant. Non, sois là. Prends ton billet d'avion. Mets dans ton agenda cette date. Vendredi, le 13. 21h jusqu'à l'aube. À Paris, à Villabé. Dans la lune d'or, 20 avenue des Courtes Épluches, 9100 Villabé. Par la grâce de Jésus-Christ, sa gloire se manifestera. Et nous nous retrouverons dimanche, le 15 septembre, à partir de 10h. À partir de 10h, pour le culte des familles, culte de vengeance de l'Éternel. Dieu te vengera de tous ceux qui se trouveront coupables devant l'Éternel, mon Dieu, de ton malheur. Le Seigneur te vengera. La saison de la vengeance de Dieu est arrivée dans ta vie. Et je vous dis la vérité, vous êtes en Europe et il y a quelqu'un dans ton village qui t'a bloqué, quelqu'un qui t'a attaché, quelqu'un qui a donné des paroles de malédiction contre toi. Je dis la vérité par Jésus qui m'a appelé. La personne va mourir. La personne va mourir, je suis désolé. Que ce soit ton père ou ta mère, la personne va mourir. Quiconque s'est soulevé contre toi, parce que, mes amis, la méchanceté, il faut bien que Dieu se lève. Il faut que Dieu nous délivre. Il faut que Dieu nous secoue. Il y a des gens que si ils ne meurent pas, tu ne réussis pas dans la vie. Et ça, c'est clair. Donc, il faut que les gens comprennent. Tant que Hérode n'était pas mort, les apôtres n'allaient pas répandre l'évangile facilement. Hérode doit mourir. Donc, I'm coming there. La main de Dieu sera puissante. Donc, dimanche, le 15 septembre, à 10h, on aura le culte. Après le culte, j'aurai mon séminaire avec les partenaires. Je veux prier pour tous ceux qui seront partenaires financiers. Dieu glorifiera son nom dans vos vies. Et après la conférence des partenaires, j'aurai 2 jours où je vais recevoir les partenaires un à un. On va parler un à un. Je vais vous écouter, prier avec toi pour que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te rappeler la parole de l'Éternel pour toi. Ne te décourage plus. Ne pleure pas. L'Éternel est avec toi. Même comme tu as remarqué qu'il y a un silence autour de toi, ta souffrance dure, tu pries, rien ne se passe, tu gênes, rien ne se passe. Sois en paix. Ainsi m'a parlé l'Éternel, je te délivrerai. Le Seigneur va te délivrer. Au courant de ce temps qui est en train de passer, vous allez vous rendre compte de la délivrance de l'Éternel dans votre vie. Dieu vous restaurera, Dieu te bénira, Dieu ne te laissera pas mourir dans la honte. Ceux qui se sont moqués de toi, laisse-moi te le dire clairement, ils reviendront te demander pardon, parce que la honte changera de camp. Quiconque te combat sera combattu. Quiconque t'insulte, ton élévation l'insultera. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Il y a un forum que je suis en train de mettre sur place avec mon équipe en France. Un forum pour tous ceux de l'Europe, des États-Unis, tous ceux du Canada. On va faire des cultes en ligne sur Zoom. Il y aura des cultes en ligne sur Zoom. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et tous mes partenaires financiers du monde entier, tous ceux qui sont à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans d'autres nations, qui veulent être des partenaires financiers, là aussi il y aura un forum où au moins une fois par mois, je serai avec vous face à face comme ça, on va faire sur Zoom ou sur un groupe WhatsApp et nous allons prier. Je vais vous écouter un à un et puis donner des orientations prophétiques à chacun d'entre vous. Bien-aimés, je vous aime, mais il y a un secours puissant qui est en train de venir devant toi. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h. La grâce de Dieu sera sur toi. Et nous sommes en train de préparer le voyage de l'Europe. On a hâte. Et ce dimanche, je vais dire à tous les Camerounais, tu es au Cameroun, ce dimanche, à 8h, viens avec un objet de ta maison. Oh, Darusawa Anna. Salaka wa anna, lo trevo wa anna, dalias mani eloi, wa inna gorpeta, lo kebata, wa idias men rodei. Bien aimé, Dieu veut te venger. Ne jouez pas avec les injonctions prophétiques. Je suis à la bille, à partir de 8h, ce dimanche, je t'en supplie par les compassions qui sont en Christ Jésus. Sois à la bille, viens avec l'objet de ta maison. La même chose en Europe. La même chose, dimanche, le 15 septembre, viens avec un objet de ta maison.
apporter les objets. Dieu va venger son peuple. Peut-être tu n'as jamais vu Dieu dans sa colère descendre dans le camp de tes ennemis. Vous le verrez. Vous le verrez. Donc, il y aura des choses qui vont se passer après ce dimanche. Vous-même, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Donc, viens avec l'objet là, je veux prier sur ça, ce dimanche. Dimanche, sur prochain, je veux faire la même chose. Et le dimanche des familles, vous allez apporter ces objets, je veux oindre ces objets devant l'Éternel. Et vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. Donc, bien aimé, ce dimanche, c'est extraordinaire. Et vendredi, on a atmosphère de miracle ici à la Bible. Sont très très nombreux. En Europe, la même chose. En venant, n'oublie pas un objet de ta maison. Et Dieu te bénira. Dieu se glorifiera dans sa vie, dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que ta journée soit bénie et que Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.